sont dans les dernières difficultés, la dernière difficulté du jour, et ce titre national qui sera belle consécration, on accueille les différentes motos, on accueille les différents véhicules, le titre national à portée de fusil dans les prochains hectomètres. Maintenant on est dans la dernière montée, et c'est un plus gacette porté par tout un public qui va accueillir la championne de France future dans les prochaines secondes, et le titre qui va nous permettre de saluer la victoire de celle qui va obtenir le référencement le plus superbe et victoire nationale en victoire. Très très belle victoire de Lynn Burquier devant Marie-Morgane de Neuf, Maëlys Sarron à la troisième place, quatrième Isoline Corbino, cinquième Alice Barbotin, sixième Maëva Skimon, septième Olivier Onesti, huitième Lise Fuguette, neuvième Amélie Vazeg. On retrouvera donc les huit premières de l'épreuve donc que nous avions salué avec l'arrivée de Colin Rabhi, neuvième, dixième Kélian Julius, le onzième place Amélie Vazeg. On rappelle le titre national, championne de France, Mille Cadette qui est invitée à venir nous rejoindre, Lynn Burquier du comité Auvergne-Rhône-Alpes, Marie-Morgane Leneuf, vice-championne de France, et Maëlys Sarron, troisième du comité centre Val-de-Loire. Pour ma part, je sollicite Pascal Gelan, maire adjoint à Plougastel, qui dès à présent peut nous rejoindre sur le podium d'arrivée pour la cérémonie protocolaire. Monsieur Pascal Gelan, merci. Sollicite également le service médical juste après la ligne. Ça se situe entre la ligne d'arrivée et l'arche aux couleurs du télégramme. Le service médical, merci. Voilà. Merci Serge, on rappelle le classement à la victoire de Lynn Burquier du comité Auvergne-Rhône-Alpes, s'imposant beau comité que celui de l'Auvergne-Rhône-Alpes avec championne de France Lynn Burquier, deuxième Marie-Morgane de Neuf du comité de Bretagne, Maëlys Sarron, troisième du comité Centre-Val-Loire, quatrième Isoline Corbino de l'équipe du comité des Pays de Loire, en cinquième position Alice Barbotin du comité Région Occitanie, sixième Maëva Skimon comité de Bretagne, septième Olivier Onesti du comité d'Occitanie, Région Occitanie, la huitième place Lisonne Fuliette du Auvergne-Rhône-Alpes, neuvième Colin Rabhi du comité de Pays de Loire, donc à la neuvième place, dixième Kylian Julius du comité de Martinique.